Capsule numéro 1 pour le logiciel Revit 2017. Dans cette capsule, nous allons voir les types de fichiers générés et utilisés pour le logiciel Revit. On va aussi voir la création et l'ouverture de fichiers existants et l'interface du logiciel. Donc, si on regarde les types de fichiers, nous aurons quatre types de fichiers principaux. En fait, des RVT, qui sont en fait les projets Revit, l'équivalent des WG pour AutoCAD. Les backups, donc si je fais une sauvegarde dans ma session de travail, il va générer une copie antérieure et la copie antérieure va être numérotée. Donc de la façon suivante, 0.001, donc c'est la première sauvegarde que j'ai faite, j'ai continué à travailler. Peu importe le nombre de temps, j'ai cliqué sur la sauvegarde, j'ai fait 1.002, donc c'est les backups. Plus le chiffre est gros, plus il est récent et évidemment la copie de mon fichier initial est ici, celle qui va être utilisée et copiée dans mon OneDrive ou sur mes clés USB. Si jamais mon fichier Project ici n'est pas utilisable, je vais cliquer sur la copie antérieure, la plus récente, pour aller voir le contenu puis sauvegarder mon fichier à nouveau. Nous avons des fichiers .rte, donc RTE pour Template, Revit Template, qui en fait sont des gabarits utilisés pour faire nos projets. Donc on en fournit un, Design intérieur gabarit A2017.rte. Ces fichiers-là se retrouvent dans mon intranet. Vous pouvez aller les chercher en tout temps. Donc ça va être ça qu'on va utiliser pour faire nos projets. Nous avons aussi des fichiers .rfa qui sont en fait des familles Revit, l'équivalent des blocs. Donc, ces familles-là peuvent être des composantes paramétrables ou non, qui vont être chargées à l'intérieur d'un projet. Donc, à même titre qu'un bloc dans AutoCAD, ben, c'est pour Revit, c'est une famille que je vais insérer ou charger à l'intérieur d'un projet. C'est pour les types de fichiers. Dans l'interface, donc quand je clique sur mon R, voilà, j'ai l'interface Revit qui vient d'apparaître. Nous avons deux sections principales, donc section projet, section famille, dans laquelle on va retrouver ouvrir et nouveau. Donc, nouveau pour créer de nouveaux projets à partir de gabarits, ouvrir un fichier existant, évidemment, donc un projet déjà amorcé. Dans la famille, on aura la même chose, donc ouvrir une famille existante ou créer une famille à partir d'un gabarit ou à partir de zéro. Ceci étant dit, on voit des petits onglets ici. En fait, c'est les derniers projets qui ont été ouverts, utilisés, donc les fichiers récents qui ont été consultés ou travaillés. Voilà, donc c'est des petits raccourcis. Donc, si je clique sur « Nouveau » pour créer un nouveau projet, on me suggère un gabarit d'emblée. J'en ai une liste ici qui est déjà inclue avec le logiciel. Ce n'est pas celui du département, donc je vais faire ici, parcourir. Je vais aller chercher, donc on me montre la liste encore une fois. Je vais aller chercher dans V, Claudache. Évidemment, à la maison, si vous avez Revit, vous pouvez copier votre gabarit directement dans cette liste-là, puis il va se retrouver dans cette liste-là automatiquement. Donc, je vais retourner dans V. Je vais aller chercher la section Revit gabarit et famille. C'est là-dedans aussi que vous allez pouvoir charger certaines familles qu'on a déjà mis dans l'intranet. Donc ici, j'ai cliqué. Donc il va aller chercher le gabarit 2017. Bien important de lui mentionner que vous créez un nouveau projet et non pas créer un nouveau gabarit. Okay? Donc dans ce cas-ci, je veux vraiment faire un nouveau projet avec le gabarit 2017. Si je clique sur gabarit ici de projet, ben ça va générer une copie de gabarit. C'est comme si je voulais modifier ce gabarit-là ou en créer un nouveau. Donc, dans le cas présent, pas que ce soit trop mêlant, je vais ici cliquer sur projet puisque c'est ça que je veux faire. Mon projet est amorcé. J'ai mes composantes, en fait, j'ai le contenu du gabarit à l'écran. Je vais cliquer sur le R ici pour lui dire enregistrer sous et je vais lui mentionner
à nouveau que c'est un projet que je suis en train de faire. Je vais lui dire où je veux travailler. Donc, archive. Et j'enregistre. Pour voir si j'ai bien fait ma job, ben, je peux regarder ici dans le haut et ça m'indique projet.rvt. Donc, je vois très bien que je suis présentement dans un projet et non pas dans un gabarit. Okay. Donc, d'emblée, vous allez avoir cette interface-là qui va s'afficher. De base, vous allez avoir une interface qui ressemble à celle-ci que j'aime bien modifier, moi, pour les besoins de la cause. Donc, vous allez avoir de façon superposée les propriétés et l'arborescence du projet. Ce que j'aime bien faire, c'est de séparer ces deux menus-là parce que la liste peut devenir assez longue et je veux avoir le plus d'informations sous les yeux et rapide, de façon rapide. Donc, je vais cliquer dans la zone bleutée ici et je vais déplacer ma souris pour qu'elle arrive directement dans ma barre défilante sur le côté. Donc, si je fais ça, le menu va s'imbriquer automatiquement. Donc, c'est ma flèche que je dois glisser dans la barre de défilement de côté. Voilà. Si on regarde un peu l'interface du logiciel, on va voir des sections, en fait, des onglets dans le haut. Et les onglets qu'on va utiliser cette session-ci, bon, évidemment, architecture, dans laquelle on va avoir des composantes de murs, de fenêtres, de portes. Donc, ça va être très utile. Structure système, pour les ingénieurs, donc on n'aura pas besoin. Dans insérer, on va pouvoir lier des fichiers, insérer des fichiers CAD. Dans annoter, on va pouvoir faire des cotes et les cotes utilisées, ça va être les cotes alignées qu'on va utiliser le plus, contrairement à AutoCAD où on faisait des cotes linéaires, on verra pourquoi. Le analyser, volume, site, ça aussi c'est des éléments qu'on n'a pas vraiment besoin. C'est rare qu'on va faire des plans d'implantation, donc collaborer, si on travaille à plusieurs sur un projet. Vue, on va avoir création de vue 3D, caméra, coupe, des détails agrandis, des élévations. Donc, ça, très, très, très utile. On va s'en servir beaucoup. Dans gérer, on peut aller placer des matériaux. Et donc, ça va être ici, on va pouvoir placer nos matériaux. Modifier, donc tous les onglets ou les commandes en fait qu'on va utiliser pour faire de la modification, ajustement, aligner, décalage. Donc c'est vraiment ici qu'on va avoir nos outils pour faire des modifications. Si je descends un petit peu dans ma liste, on a vu qu'on avait une arborescence, on a déplacé les propriétés tantôt. Bien, l'arborescence en fait, c'est en fait le contenu de votre dessin. Vous allez avoir des phases, donc phases existantes, démolition, nouvelle construction. On va avoir des niveaux, donc niveau sous-sol, niveau de plan d'existant, en fait, l'étage, rez-de-chaussée, etc. Donc, on va avoir des niveaux. Et ces niveaux-là sont générés par quoi, en fait? Si je viens cliquer dans ma nouvelle construction, on va voir qu'on a des vues 3D qui s'affichent automatiquement, puis on va avoir des élévations. Donc, en passant, le haut de votre écran, on a des points cardinaux, hein. C'est la même chose dans AutoCAD en passant. Le haut, c'est le nord. Le bas, c'est le sud. L'est et l'ouest. Donc, si je regarde dans mes élévations, je double-clique dessus, j'ai une élévation. On voit qu'on a un petit mur qu'on voyait tantôt dans notre plan d'existant qui faisait partie de notre gabarit initial. Bien, en fait, on nous indique des niveaux. Le niveau rez-de-chaussée, le niveau sous-sol, etc. Donc, on a certains niveaux pour... venir placer si on a plusieurs étages à faire dans notre projet. Bon, pour l'instant, cette session-ci, on va travailler au niveau du rez-de-chaussée. Donc, je vais revenir à mon plan de l'existant ici. Comme je disais tantôt, on va avoir des légendes, on va avoir des tableaux, on va avoir des feuilles pour faire nos mises en page. Donc ça va être dans l'arborescence qu'on va voir ça. Chacune des vues qui sont activées dans mon arborescence, ouvre une fenêtre. Donc, j'ai mentionné lors de la première démo que plus on va avoir de fenêtres en mosaïque, c'est-à-dire une par-dessus l'autre, bien, plus ça va être, ça va ralentir votre ordi. Donc, idéalement, là, on peut travailler dans deux, trois vues en même temps. On peut même
placer notre écran pour avoir trois vues. Sinon, on travaille en plan. Vous pouvez rapidement fermer toutes les autres vues qui sont en arrière-plan. Ça va accélérer votre ordinateur. Vous avez sur le côté les propriétés. Donc, si je sélectionne un objet, donc on voit ici, j'ai cliqué sur le mur, il mesure 10 pieds. On m'indique ici dans les propriétés que c'est un mur de base, donc colombage métallique, 3 pouces 5/8 avec du gypse de chaque côté. Donc, on montre ici les différentes propriétés de ce mur-là. Soit dit en passant, dans Revit, on n'a pas de calibrage. Le calibrage se fait par composante. On vient placer notre calibrage dans les composantes. Donc, on n'aura pas de gestion de calque à faire. Donc, bonne nouvelle pour certains, certaines. Voilà. Je reclique sur mon mur. On voit ici la façon qui a été justifiée, c'est-à-dire que la ligne de justification, c'était la ligne intérieure pour tracer mon mur. Donc, c'est pour ça que mes petites poignées bleues sont sur le bas de ma ligne. Si je change sa justification et je prends exemple extérieur, ben ma petite poignée, maintenant, elle est du côté haut de mon mur. Donc, je peux changer en tout temps sa justification pour centrer ou placer mes différents. On voit tout de suite en dessous la contrainte inférieure. Donc, il est attaché au rez-de-chaussée. Donc, il est au niveau 100. Décalage inférieur. Donc, est-ce que je veux qu'il descende en bas du rez-de-chaussée? Non, il est accroché au rez-de-chaussée. Parfait. Contrainte supérieure, je peux lui dire ici, accroche-toi à l'étage. Donc, de cette façon-là, il va s'accrocher automatiquement à l'étage, en autant que mon décalage supérieur soit placé à 0. Donc, de cette façon-là, si je regarde dans mon élévation que j'avais tantôt, je vais en prendre peu importe laquelle, on voit bien que mon mur commence au rez-de-chaussée au niveau 100 et se termine à mon étage 1. Donc, façon rapide là, de gérer, si on veut, nos hauteurs de mur, ben, c'est dans les contraintes, on peut mentionner de quel niveau à quel niveau mon mur va se faire. Donc, rapidement, si jamais mon mur, c'était pas ça, mais je peux aller le changer en changeant la contrainte. Voilà. Donc, ça, c'était juste une petite parenthèse là, par rapport, juste donner un exemple là, de l'utilité de ces propriétés-là et l'utilisation de l'arborescence. Donc, si on regarde le tableau, en fait, les onglets qu'on a en bas, ben, on va avoir l'échelle, on va avoir, bon, l'échelle, c'est hyper rapide à utiliser. Puis si, exemple, je vous fais un exemple, je mets une cote. Je suis dans le plan, je vais mettre juste une petite cote pour mon mur. OK. Peu importe le style de, bon, c'est en pouce ici, pas de problème. Donc, si je change mon échelle annotative, mon texte, mes cotes, tout change en même temps. Donc, j'ai pas besoin de me casser la tête avec la gestion des échelles. Tout va se faire de façon automatique en cliquant tout simplement sur l'échelle annotative ici en bas. Deuxième onglet, c'est en fait le niveau de détail que je veux montrer. Bien, en fait, si je suis en détail faible, je vois un mur simple. Si je viens augmenter, je vais voir les épaisseurs de matériaux apparaître. Donc, je vois ici double ligne apparaître. Puis ça m'indique que ça, c'est du gypse. J'ai un colombage métallique de 3 pouces 5/8 et un gypse. Donc, le niveau de détail, je peux jouer avec comme ça. Évidemment, ce niveau de détail-là va être appréciable dans un détail agrandi ou dans une coupe à plus grande échelle. Dans des échelles plus petites, un quart de pouce, etc., je ne mettrai pas de détails, donc je vais le mettre à faible ici. Tout de suite à côté, on a le style visuel. Donc, le style visuel, on a en ligne filaire pour voir à travers les objets, en ligne cachée. C'est les deux principaux qu'on va utiliser, puis le réaliste. Donc, ça va être vraiment les trois styles qu'on va utiliser là d'emblée. Tout de suite après, j'ai trajectoire du soleil qu'on va appliquer quand on fait un rendu. L'outil ombre,
Je vais juste faire une petite pause. Je vais activer un autre dessin pour que ça soit plus représentatif. Donc, j'ai chargé un projet pour voir les exemples là, que je voulais montrer avec des ombrières dans le bas. Donc, si j'active les ombres, je vais voir tout ce qui est 3D va générer un ombrage. Donc, ça, c'est un petit outil que l'on peut activer, désactiver. Si je viens cliquer sur « Cadrer la vue », donc je vais cliquer sur la petite ampoule ici, ça me montre l'encadrer. En fait, c'est ma fenêtre de présentation. Donc, cette fenêtre de présentation-là, si je veux cacher certains éléments, bien, c'est avec cette fenêtre de présentation-là que je vais recadrer ma dite vue. N'oubliez pas que cette onglet-là, s'il est désactivé, puis vous travaillez à côté, puis vous ne voyez pas ce que vous dessinez, petit indice, activez votre zone de vue. Donc, si, exemple, je dessine ici à côté, puis je suis à côté de ma vue, je ne verrai pas ce que je dessine. Donc, bien un petit outil bien utile qu'on va utiliser ici. Dernier petit truc par rapport à l'encadrer, en fait, c'est que si mon objet, en fait, mon encadré, on voit ici que le petit X, donc ne pas cadrer la vue, est désactivé. Quand je vais déplacer mon cadrage de vue, donc quand le X est activé, en fait, ça ne cadrera pas la vue, donc ça ne prend pas en considération ma fenêtre de présentation. Donc, ça ici, habituellement, on va le laisser d'emblée cadrer, mais si jamais vous apercevez que votre recadrage ne se fait pas. Petit indice, ici, l'onglet ne serait pas activé à ce moment-là. Voilà. Donc, je peux éteindre mon encadré pour faire une belle présentation. Ma fenêtre de présentation n'est pas là. Voilà, c'est fait. Tout de suite à côté, j'ai ici masqué, isolé de façon temporaire mes objets. Donc, je peux aller sélectionner un objet en particulier. Je clique sur ma petite lunette et là, je peux isoler la catégorie. Donc, il va y avoir juste ça d'affiché à l'écran. Je peux masquer la catégorie. Donc, ça va masquer tous les éléments qui font partie de cette même catégorie-là, effectivement, à l'écran. Mais de façon, on parle ici de temporaire. Ça veut dire que la façon de les réactiver, ce serait ici de restaurer le masquage en cliquant sur « Restaurer ». OK? Donc, ça veut dire que si je viens masquer l'élément, je viens d'être, en fait, ni plus ni moins que rendre invisible cette chaise-là uniquement. Si je veux la réactiver, je vais cliquer sur mes petites lunettes puis je vais restaurer le masquage. Ça veut dire que le masquage se fait, j'en ai besoin temporairement, je peux l'allumer, l'éteindre de façon rapide avec mes petites lunettes. Si je veux l'avoir un petit peu plus, si je veux, en fait, ça va arriver des fois que vous allez l'avoir éteint de façon temporaire. Donc, il n'est plus là. Là, vous dites, j'aimerais ça le réactiver dans mes visibilités, mais je ne le retrouve pas. Ben, c'est parce que dans le fond, là, mon élément, si je clique ici sur ma petite ampoule, ça me montre en bleuté les éléments qui ont été masqués de façon temporaire. Voilà. Donc, ils sont en bleuté. Donc, si je le sélectionne, j'essaie avec mon bouton droit de l'afficher dans la vue. Ma catégorie, mon élément n'est pas accessible. Pourquoi? Parce que c'est pas un élément qui a été masqué de façon systématique, mais plutôt de façon temporaire. Donc, il faut vraiment que j'utilise restaurer avec mes petites lunettes à ce moment-là. Okay? Donc, vous allez remarquer que si vous avez masqué des éléments avec les lunettes dans ma petite ampoule ici, c'était en bleuté. Si je viens masquer de façon plus permanente, si on veut, l'élément ou la catégorie, donc catégorie, va éteindre tout ce qui est vraiment dans cette catégorie-là. Je clique sur mon ampoule. On voit ici les éléments qui ont été cachés, mais de cachés non pas juste temporairement. Ça veut dire que on regarde mes chaises, mes tables, sont en magenta, donc contrairement à tantôt où c'est en bleuté. Ça veut dire que là, les éléments vont être pas accessibles par mes lunettes, mais plutôt par mon tableau
ici, donc bouton droit de souris, je viens faire afficher la catégorie pour les réactiver. Donc ma petite ampoule ici me permet de voir si j'ai caché des éléments. Donc, si jamais il me manque un élément, ben, je peux aller cliquer sur ma petite ampoule. Si tout est en gris pâle, ça veut dire qu'il n'y a rien qui a été masqué dans cette vue-là. Tout simplement. Voilà. Pour ce petit outil-là. Je vais faire une petite démo par rapport aux vues. Donc, vue 3D, bien pratique. Je vais aller me placer une caméra. Donc, je vais aller cliquer ici, caméra. Je vais positionner ma caméra dans ma pièce et je vais ouvrir mon point de visée. Et je vous conseille de placer votre point de visée le plus loin possible dans votre pièce et même au-delà de votre pièce, de sorte que les murs soient inclus dans votre champ de vision. Sinon, si j'arrête mon point de visée ici, je ne verrai pas mes murs apparaître. Donc, je viens cliquer. Ma vue est générée. Mon point de vue est placé automatiquement à une hauteur de 5 pieds 6. Et si on regarde ici, l'élévation de l'œil est à 105 pieds 6 et la cible aussi. Ça veut dire que mon niveau de rez-de-chaussée étant à 100, j'ai rajouté 5 pieds. Donc, n'oubliez pas de, si vous changez la hauteur de vos yeux, ben d'inclure le niveau sur lequel vous travaillez présentement. Donc, dans le cas présent, je suis au niveau 100. Donc, ça vient générer automatiquement des vues dans mon arborescence. Donc, si je reviens à ma vue en plan, on voit la petite caméra qui est là. Parfait. J'aimerais ça faire une coupe. Je vais venir positionner mon plan de coupe sur ma vue. Remarquez le petit encadré en pointillé, c'est la délimitation de votre coupe. Donc, si vous ne voyez pas tout, ben, vous pouvez agrandir votre zone de coupe. Vous pouvez aussi l'inverser, donc faire une coupe vers le haut ou vers le bas en cliquant sur les flèches. Et ça va générer aussi une coupe automatiquement. Donc, si je regarde dans mon arborescence, j'ai la coupe 1 qui a été générée et on voit ici ma coupe s'afficher. Encore une fois, ma fenêtre de présentation, je peux délimiter la coupe. Donc, je peux même lui dire, et encore une fois, ça va être avec les onglets dans le bas ici. Donc, je peux recadrer ma coupe, afficher, éteindre, allumer des éléments. Donc, exemple, si je ne veux pas montrer les luminaires, ton droit de souris, je peux masquer un élément à la catégorie. Donc, ça va masquer. Donc, je peux automatiquement éteindre des éléments. Encore une fois, même principe que tantôt, si je clique sur ma petite ampoule, je vois mes éléments apparaître, qui ont été masqués. J'ai fait une erreur, je veux l'afficher, je vais afficher la catégorie. Voilà. Je peux allumer et éteindre des éléments dans mes vues automatiquement. Je reviens à mon plan de l'existant, mon plan de coupe est là. Ça vient mettre ma bulle. Si je veux aller voir ma coupe, je viens vis-à-vis ma petite flèche. On m'indique ici qu'on peut afficher la vue définie par cette coupe en double-cliquant sur la pointe de la flèche. Automatiquement, ça m'amène à ma vue. Ou sinon, dans mon arborescence, mes vues vont être là. Comme je disais tantôt, plus j'ouvre de fenêtres, si je clique ici, je vois toutes les fenêtres en arrière-plan. Si je veux les éteindre, fermer les fenêtres cachées. Et voilà, c'est fait. Je viens placer un détail agrandi. Donc, je viens délimiter le détail que je veux avoir. Je clique sur ma petite bulle, puis je viens positionner la bulle où je veux l'avoir. Ça aussi, ça vient de faire automatiquement un détail dans mon arborescence. Il va être annexé, comme c'est un lien avec le plan, il va être juste en dessous. Donc, plan de l'existant, repère 1, mon détail est ici. Et, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le niveau de détail a été placé à élevé, de sorte à voir les composantes de mes murs, etc. Donc, je peux en tout temps aller changer l'échelle de ma vue. Je suis déjà prêt à faire une mise en page avec ça pour faire des annotations. Même principe pour les élévations. Je peux aller placer une bulle d'élévation. Je peux double-cliquer sur la flèche et on voit
l'élévation apparaître automatiquement de ma vue. Okay? Donc, ça, c'est des éléments que je peux faire rapidement dans mon dessin. Donc, on voit un petit peu là, les différentes vues qu'on peut générer dans notre dessin, puis vont s'ajouter à mon arborescence automatiquement. Okay? Donc, voilà pour la capsule numéro 1. Amusez-vous bien!